Juste t'entends le retour que j'ai. Hop, et on va lancer Overwatch. Overwatch. Bon, c'est parti, on y va. Ah, en avant. King's Row. King's Row. King's Row. C'est parti. Donc, on va continuer ce qu'on avait fait hier, c'est-à-dire essayer tous les persos. On s'est arrêté à Tresseur, à Chacal. Fatal, il me semble pas en avoir fait. On va faire du Fatal. Allez, hop, c'est parti. On va voir. Comme d'habitude sur le chat, dites-moi si au niveau du son ça va. Nous sommes toujours en période de test. On verra si ça ira bien bientôt. Donc King's Row, la map qui copie un espèce de Londres. Un espèce de Londres, ouais. Pas exactement Londres, mais un espèce de Londres. Un Londres un peu rétro-futuriste. Et je joue Fatal. Fatal. Voilà. La petite française. Vous allez kiffer. Alors. Oh. Yo, Abu Nakashi. Bien rentré, j'espère. Tout va bien. Salopard. 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 Oups. Salaud. Oh, ça t'a piqué? Bon, là pour l'instant, escarmouche avec mon nouveau setup. Là, tout nouveau setup. Donc là, normalement, au niveau du stream, ça doit être. Ah, voilà, ça y est, on rentre en match, enfin. Tu vois, c'est pas très long. Tu vois ? Dorado. Donc hier soir, ce que j'ai fait, c'est que je fais le tour des persos. Donc j'en ai fait une bonne partie. Et là, je vais en faire encore. Je vais faire la suite de la liste qui manque.
histoire de jouer tous les persos. Six persos, donc là maintenant je suis avec Fatal Labonas. Pas le perso sur lequel je suis le meilleur, mais j'aime bien. J'aime bien. Pornographie, Kintao. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est parti. Tresseur, nous avons dans notre équipe, nous avons Tresseur, nous avons Genji, nous avons Ange, nous avons Diva et nous avons Thornbjorn. Et moi, bien entendu. Alors, on va essayer de se trouver un spot sympa pour le démarrage. Alors, en général, bon, y a pas que 40 000 spots, une fois que vous les connaissez, c'est tout le temps les mêmes. On va se caler là-haut. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Boum. Voilà. Easy. Ça serait bien que Ange me colle un peu aux fesses au début, après elle peut faire ce qu'elle veut. Et au moins qu'elle me colle aux fesses des fois que ça snipe depuis en face. Merci ma poule. Donc pour rappel, avec Fatal, quand vous maintenez appuyé, vous augmentez la puissance des dégâts. 100% vous faites un one shot si vous tirez dans la tête. Ce qui est rarement mon cas de toute façon. Donc, Et ouais, il y a la défense là. Putain, là je me fais arracher la tête. Là-haut. Salopard. Ah merde, dans le dos. Voilà pourquoi je voulais Ange. Alors ça lag, non, c'est pas censé laguer, hein. Ça doit être ton réseau quoi que ce soit, parce que là sur stream c'est fluide. Je le joue, donc non, c'est fluide, ça devrait pas laguer. Normalement ça devrait pas laguer. Enfin, pas beaucoup, à peine, même pas. Non, ça devrait pas laguer. Après, s'il y a une connexion de merde, je ne peux rien pour toi mon ami. Hop là. Je crois que déjà ta connexion était pas terrible à la base. Bah, est-ce que tu veux rejoindre, qu'on joue en équipe, des fois que on puisse rigoler un petit peu. On puisse faire un peu mumuse. Saloperie, viens là. Il y avait Ange là. Voilà, ça c'est un one shot. Et Farah elle est toujours chiante parce qu'elle vole. Oh putain, ordure. Sors ta tête quoi. Voilà. One shoté et hop la vision. Hop. Allez. Zip. Spider-Man. Spider-Man. Facile. Franchement, il était facile celui-là. Putain, par contre, si elle pouvait arrêter de bouger. Ah putain. Faut vraiment que je change de souris. Parce qu'elle est dégueulasse. My souris is dégueulasse. Oui. Non, j'ai oublié de sauter. Eh, je l'ai. Ah putain, lâche-moi la grappe. Putain. Désolé, je jure. On avait été toute flambée là, j'aurais dû m'appliquer. Faut vraiment que je change de souris, elle est vraiment dégueulasse. Me revoilà. Non, là j'ai fait nimp. Tant pis. Spider Pig. Super, je me suis très mal accroché, c'est pas grave. Tant que leur convoi n'avance pas, tout va bien. On est bien. Ok. Tu es dans ma ligne de mire. Putain de merde. En général, quand ça dit tu es dans ma ligne de mire, c'est pas bon, faut bouger. Là ça va. Là ça va. Jusque là ça va. Là ça va. Là. Fatal. Putain, mais te mets pas devant moi, bouffonne. Putain, ça me saoule, ça. Laisse la place, laisse la place au pro. Voilà. Fatal, t'as pas le choix, tu peux faire que des headshots. Hein. Enfin, sinon, son arme principale est pas mal, mais c'est pas la folie. Ouais, décalage horaire, enfin, on est là pour jouer, tu m'étonnes. Déjà que moi, c'est limite, même quand j'ai pas de décalage horaire.
Elle sort ou pas? Oui, ça va mieux qu'hier soir quand même. Quand je suis frais, ça va quand même mieux. Hier soir, c'était pas folichon. Putain de salope! Putain, il m'énerve lui avec sa roue de merde. J'aurais dû prendre le grappin. Putain, il est chiant. Tu portes pas ce perso. Merci pour la raise. Thanks, guy. Pim, pim. Saloperie. Merci, Diva. C'est très cool. Hop, on va remonter là-haut. Ça va le faire, ça va le faire. Je le sens. Ça va, on est en train de remettre. On est en train de se les mettre bien. Merde! Ah, c'est bon, ils ont perdu. Deux secondes, putain, ils ont même pas le point A. Si c'est pas beau ça! Mais si c'est beau. Donc voilà, ça c'était. C'était mademoiselle action de la partie. Mademoiselle Fatale. Qu'est-ce qu'il a fait lui avec Genji? Ouf, à troisième. Oui, oulolo. Ouais, il a fait mal. Il a fait mal. Je vais lui mettre un kudos, bravo. GG. Nice. Voilà, on reste gentil, positif, c'était très une bonne agréable. Game. Oui, très agréable, tu m'étonnes. Donc maintenant, on va jouer à la suivante. You sucks. Ouais, bah voilà, hein. Signalé. Hop là. De précision au viseur, c'est pas mal. Mieux que ce que j'ai fait auparavant. Pas mal. Alors, bim. Donc maintenant nous allons jouer Hanzo. Hanzo que je supporte pas. Bien il paraît, mais... Ah putain, non, on est de nouveau en... Ah non, on est nouveau en skirmish. Ouais. On est en skirmish et on manque de joueurs. Purée, c'est vraiment l'heure de merde pour jouer. Ah voilà. Préparez-vous. Donc Hanzo au niveau de ses pouvoirs, frappe du dragon c'est son ulti, c'est un grand dragon qui part en tuyau, qui traverse les murs, etc. Mille flèches, c'est ça tire sur plein de flèches et ça ricoche. Flèche sonique, ça permet de révéler les ennemis lors de l'impact. Et l'arc, évidemment, de base, évidemment, avec toutes les capacités d'escalade qui est connu. Il est noté difficulté 3 sur 3, je veux bien l'entendre, parce que il n'est pas très compliqué à jouer, mais faut le maîtriser quoi. Un peu comme l'Othello. Et règle la prise en 2 minutes, mais alors par contre pour maîtriser c'est autre chose. Et donc là nous sommes en attaque, nous devons faire avancer le camion. Los camionos, le petit Timote. Est le seul destin que je connaisse. Super classe, pourquoi le pied en hauteur? Normal ça. Ah oui, non, le pied en hauteur, c'est parce qu'il y avait le banc derrière, d'accord. Il est nul son emote. À jamais propre. Je l'avais jamais fait, il est pourri. Ouais. Les autres ont des supers animes, lui, c'est vraiment pourri. C'est quand il dit bonjour. Salutations. Salutations et. C'est juste salutations. Bonjour. D'accord, bonjour. Et même pas. Salutations. Non, même pas un petit Anyan comme à Diva, non. Bon, bah écoute. Personnalité un peu. Nul. On va tenter une entrée par ici. Alors, Hanzo, snipage. Mais snipage compliqué. Parce que snipage avec descendre de la flèche avec la distance, il est un peu rude. On va d'abord tirer une flèche pour voir où ils sont. À travers là. Ça va le faire.
Voilà. Physique, tu es mort. Putain, c'est une plombe là. Ah, fiche. Thornbjorn, évidemment. Thornbjorn, évidemment. Tourelle, droit devant. Ne jamais déclarer forfait. Bon, tu bouges, Minet, quand tu veux, hein. Hello. D'accord. Je ne suis pas encore découragé. Mei, au rapport. Ça rage tout de suite, ça rage. Dès qu'il y a des petits soucis, ça rage. Putain, ça tire par où? Hé, hey, grimpe Anzo! Putain! Oh le mou! Oh le mou, oh le blanc! Oh le mou, le blanc! Le mou du blanc! Putain de pute! Ah, je déteste ces conneries de. Comment elle s'appelle déjà? Ah, je déteste ces conneries de Symmetra, putain, conneries de tourelles de merde. Heureusement, elles font du bruit, ce qui fait que du coup, dès qu'on se fait tirer dessus, on les cherche immédiatement, mais. Rrrr, m'énerve. Donc, Anzo, capacité de grimper. Hein. Par exemple, si je vais là et que je grimpe, voilà, je grimpe super haut, mais pas assez pour pouvoir atteindre le plafond. Bah là, c'est un bon sens aussi. Qu'est-ce qui se passe? Va se passer. Et mercredi. Ah, ça y est, j'ai l'ulti. Le Drake, le gros dragon qui va faire mal. Vite bien envoyé. Ah ouais, je me suis fait avoir par une fatale. Ne jamais déclarer forfait. Ne jamais déclarer forfait. Tourelle ennemie détruite. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On peut y arriver. La guettine en couleur. Droit devant. Un seul mort? Ah non, deux, voilà. Ça, place au déluge. Allez, avance camion. J'accompagne le convoi. Avance, pousse-moi. Ça, j'avance pour rien. Il y a un snipe là-bas. Où est-ce qu'il snipe? Marque. Je t'envoie une flèche pour essayer de voir s'il y a du monde. Ah non, évidemment, voilà. Il fallait évidemment qu'il y ait un gros sandouille là-bas. On va essayer de le prendre par derrière. Déjà, on va se recharger tranquille. Et comme je vous l'ai dit sur la partie précédente, on va essayer de se le choper par derrière. Et c'est bon, c'est déjà fait. Donc c'est nickel. Où sont-ils? Où sont-ils? Il n'y a plus personne en face. Juste à faire avancer le bizarre en fait. Il n'y a personne. Ah si, voilà. Enfin du monde. Enfin du joueur. Chaos 4, est-ce que je l'ai eu un peu? Est-ce que j'ai une flèche? Non, même pas. Non, même pas. Super. Un revers mineur. Les héros ne meurent jamais. Allez. Allez, on y va. On haut de l'aventure. Ta 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 ta. Oh la vache. Anzo, bah voilà, un autre Anzo mais qui joue bien, qui avait vu tout le monde et qui est arrivé et qui m'a plombé. Voilà. Bon, heureusement qu'il s'est plombé juste derrière, mais quand même dégoûté un petit peu. Allez, il y a moyen, faut escorter le convoi là. Les gars, en avant. Tu me saoules un peu, toi. Par là. Voilà.
Évidemment, je ne serai pas vaincu. J'étais pas assez mobile. Évidemment, avec une fatale, il faut absolument que je pense à me planquer. Je suis trop ouvert. Tout le monde me voit, tout le monde peut me tirer dessus. C'est un peu tir gratuit. Ça va le faire. Ça va le faire parce que normalement, je peux. Ah, c'est bon ça. Bien joué, les gars. Bien joué. Je fais avancer le convoi. Avancer le camion. Ils ne passeront pas. Voilà. Une petite recharge d'énergie, voilà. Et on va rebalancer l'ulti dès qu'il y aura tout le monde, mais je sais pas où ils sont, on dirait qu'ils se plantent. Le convoi approche de sa destination. Akete Mokuro ! Wagateki Mokuro ! Oh, ça avance sans trop de problème, hein. Merde. Évidemment, encore une fatale qui m'a chopé, voilà, par derrière, évidemment. Logique. Je ne suis pas encore découragé. Logique et fréquent. C'est pas grave. On est tout prêt, on a deux doigts de gagner, il reste 2.33 pour pousser genre 10 mètres. Très facile. Continuez à avancer. Très facile, ça va être facile. Ça va être vraiment facile. On devrait y arriver sans trop de soucis. Est-ce que je peux grimper par là, moi ? Oui, bien sûr. Par le dragon. Putain, elle m'énerve, elle. Putain, elle m'arrasse à fond. Tapez là. Putain, super dur. Là, je jouerai tout à l'heure. Évidemment, résurrection, je regarde pas. Regarde ailleurs. Ben voilà, bien sûr. Un revers mineur. Bon, j'ai encore l'ulti de nouveau dans 1%, ce qui fait qu'il faut que je touche juste une personne. Vite fait, ça va être rapide. Allez. Hop. Un camion a reculé, ça avance plus là. Les gars, ah merde. Voilà. Encore 60 secondes. Bouger ce convoi. Bon, un petit ulti dépensé un peu inutilement. Parce que du coup, on a toujours le bastion au fond. Je déplace le convoi. Il me faut des renforts. Ouais, c'est pas la folie, quoi. Bon, par contre, si le camion voulait bien arrêter de reculer, ça serait cool. Si vous voulez bien le gérer un peu mieux. Voilà, ça c'est parfait. Le dragon de l'ennemi, on traverse, c'est bon. On pousse le camion. Voilà. Merde, sur le côté, putain, je regarde pas assez sur le côté. Poussez-moi ça, bordel. C'est bon, on a gagné ou pas? Il nous restait pas grand chose, putain. Prolongation. Ça va pas le faire s'il y a personne autour du camion. Le convoi ne doit pas s'arrêter. Allez, faites-moi avancer ce putain de camion. Oui, c'est bon. Allez, il reste rien. Reste rien, faites-moi avancer ce camion. Il reste rien du tout. Putain, carburé. Oui, c'est bon. Ils l'ont eu. Bien joué.
Bravo. Bien joué. Et nous avons l'action de la partie sur Kintao, évidemment, avec Genji encore une fois. Triple kill, j'imagine. Ok, très bien, c'est lui qui a chopé le bastion par derrière, impeccable. Il chope Hanzo et c'est tout. Bon, c'est tout. Donc, petite action, mais ça va. Merci Monoc, même si ça a l'air d'être un con. Plutôt positif, allez, elle était plutôt bien. Elle était plutôt bien. Donc c'est parti, donc Mei je voulais faire en démo, Thornburn je l'ai fait, donc maintenant on part sur Chopper. C'est parti. Chopper, ses pouvoirs. Écarisseur, donc ça tu deviens machin, truc mûche. Traclar, t'attires l'ennemi vers toi, donc ça c'est super balèze. E, inhalateur, tu soignes sur une courte durée. Et le déferrailleur. T'as une arme à dispersion de courte portée et de moyenne portée. Et il y a le Traquelar qui est extrêmement balèze avec Shift. Qui vous permet d'attirer les ennemis à vous et d'en faire de la pâtée en tirant dedans avec l'arme à courte portée, évidemment c'est celle qui fait le plus de dégâts. C'est la moyenne portée permet un petit peu de s'en sortir par endroit. Par contre ce perso ne saute pas. Voilà, par contre c'est énormément de dégâts. On peut voir la zone de tir de Chopper, je me souviens plus de son nom. On peut voir la zone de tir de Chopper qui est monstrueuse. Il a des points de vie monstrueux. Et merde évidemment. L'autre con d'Anzo derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui manque à Battlefront, c'est de pouvoir faire Minuse avant de se battre. Parce que Battlefront tu attends jusqu'à ce que ça tourne. Ah voilà, c'est parti. Préparez-vous à attaquer. Donc Chopa. Gâteau de Chopa. Et donc Chopa qui est australien. L'australien comme merde. Chacal. Chacal et Chopper. Chacal, Chopper, Cheche. C'est australien tout ça. C'est parti, donc là on joue pour une vraie game. Ah. Merci Poulette avec ta glace. Donc Chopper, on va mettre tout de suite son emote. Voilà, son emote. Voilà, il fait le foufou. Et il parle pas. Il y a comme un mur entre nous. Voilà. Le combat commence. Son emote, c'est, il balance des grenades par terre. Ah, il pète un peu. Pas le plus intéressant. Merci. La ferme. On l'entend pas Chopper, hein, on l'entend quasiment pas. Le combat commence. Alors normalement cette map voilà, c'est exactement ce qui se passe au départ. C'est d'une logique imparable. C'est toujours la même. C'est. Oui non mais là face à face ça va pas le faire du tout. On va juste se soigner un petit peu. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Chacun son trou.
Ah mais non, pas le mur de glace, mais quelle conne. C'est pas du tout le moment pour mettre ça. Get to the sopa. Oh my god, oh. Putain. Une élimination, super. Ça veut dire que je suis premier avec une élimination. Ça veut dire que la team ne fait rien pour l'instant. Ah ouais, on a Miné qui est passé en face, le rageux. C'est bien. Pas envie de me choper de rageux. C'est parfait. Par contre, si je le vois, je vais essayer de me le choper en priorité. Parce que... Oula. Là, j'ai bouffé méchamment. On y va. Ah. Ça va pas être une masse à faire, je le sens. On a une team un peu crade. Mais ça pourrait marcher, ça pourrait marcher. Voilà, comme ça, genre comme ça, voilà, et comme ça. Et merde. Ce passage sur cette carte est le plus dur à passer. Celui d'après ça va, celui-là est vraiment compliqué. Enfin compliqué, chiant. Celui-là est très très chiant. Ce passage-là est vraiment atroce. C'est dommage. Parce que sinon ça pourrait se jouer correctement, mais celui-là est vraiment chiant à passer en fait. Il y a des tirelles partout. Objectif en cours de capture. Il y a Ange là, j'aimerais bien choper. Comme l'artillerie, on charrie les cadavres. Mercredi sur le côté. Ouais, Rez, c'est bon ça. Résurrection, ça fait toujours bien mal. Toi par contre, ma salade qui est tombée. Est-ce que ça pousse un peu? 4 éliminations, je suis toujours premier. Super, donc en fait c'est moi qui fais les dégâts alors que je suis support. Bon, écoute, pourquoi pas. Et je suis tout... Ah non, je suis deuxième. Ah c'est bien, du coup ça veut dire qu'il y en a qui commencent enfin à se réveiller. Tourelle, droit devant. Tourelle ennemie détruite. Let the dragon consume you. Et mercredi. Mets trop de temps à récupérer ses points de vie, Chopper. C'est dommage. Pas pourquoi ils en ont fait un Australien en plus, à croire que de chez eux. C'est pas très respectueux des Australiens parce que en France on a Fatal, en Suisse ils ont Ange. Voilà. L'Australie c'est les Chopper et Chacal. On récupère un peu de vie. Ça bouge dans tous les sens avec son lit. Ah putain, merde. Son explosion, évidemment. Ça, j'y passe, c'est logique. Minet, tu me fais chier. Diva est très... Ah bah, c'est pour ça que c'est un de mes persos préférés. Je la trouve très très forte et bien jouée. Et c'est tendu tout le temps. Très tendu. En espérant qu'elle ait pas fait beaucoup de kills. C'est probable. Mais ça va, on a pris le premier point, donc ça devrait être. Voilà. Dégage. Salope. Ah, bon. Attaque du point B.
J'aimerais bien avoir une vue sur le terrain là, il n'y a pas une fatale ou un bateau. Un soldat 76. Ah oui, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Bien joué. Bien joué la chose. On va boire un petit coup. Et on va farcir ce con. Ce con d'Anzo. Voilà, pour aller sur ce nom. Et on va y arriver. Et merde! Putain, il lui manque rien! Il a rien envie! Ah voilà, c'est bon. Oh bien, Rez! Nickel! Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool! Ça c'est vraiment cool! Voilà, au revoir Ubu! Et maintenant, Ultima, défonçage! Ah merde, je suis en recharge, putain, chier. C'est bon, il est crevé. J'ai récupéré de la vie, donc pas besoin de boire. J'ai essayé de passer sur le côté parce qu'en général c'est par là qu'il travaille le moins. C'est là où il prend le plus les dégâts dans les fesses. Et on capture le point et c'est bientôt fini. Voilà. Bien joué. Victory. Est-ce que j'ai fait le plus beau kill, j'aimerais bien. Action de la partie. Ah non, la psy. Avec Mei, qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne bouge. Oh bien, le volage, la protection. Une est mort, le tronc mort. Ensuite, oh putain, c'était beau. Pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout. Quelqu'un me met quelque chose, s'il vous plaît. J'ai bien bossé. Tant pis. Donc, prochaine, oh, elle était bien celle-là. Prochaine attaque. Ça va, plutôt bien joué. Alors, maintenant, une carte que j'aime bien. Allez, l'Afrique. Mombani. Non, Temple d'Anubis. Ah bah oui, non, défense sur Temple d'Anubis. Donc bah maintenant, Reynard. C'est pas l'idéal. Mais bon. En défense, c'est pas l'idéal. Mais bon, tant pis, on va faire avec. On va faire comme. Je vais aller protéger les tourelles. Et il faudrait qu'il y ait un bastion, par exemple. Gabi de Gabi là prennent bastion et là alors là je les protège et là ils sont juste indéfonçables. C'est parti. Justice sera rendue. Salut les amis. Donc Reinhardt, l'homme de la protection, voilà, déchire bien. Et donc lui c'est uniquement de la protection, mais je crois que je l'ai joué hier aussi pour vous montrer, mais bon. Bref, il a une charge en avant, une frappe de feu, le choc sismique qui renverse tous les ennemis, etc. Machin. L'écran pour protéger, l'écran c'est très simple. Un clic droit, tac, vous protégez avec un bouclier de 2000. Et voilà. Quelqu'un vient. 5, 3, 2, 1. C'est pas grave. Les attaquants. On va faire comme si. Voilà, déjà, elle les bloque, c'est bien. Le but, c'est de leur faire perdre un max de temps. Donc, plus on les tient, mieux c'est. Hein. Voilà, on met de la protection. Comme ça, elle fait pas de dégâts. Hop.
On va juste attendre de se recharger 2-3 secondes. Voilà, de recharger le bouclier pour repartir en avant. Voilà. Comme ça on maintient la pression. C'est pas trop mal. C'est pas très propre, mais c'est pas trop dégueulasse. Ah, je pourrais la planter. Merde, salope, elle est partie s'envoler. On va reprendre l'énergie ici. Ils sont en train de prendre le point. Hein. Je veux faire chier personne, mais ils sont en train de prendre le point. Merde. Mercredi. Bon, 3789 dégâts bloqués, c'est pas mal. Le boulot sur Reinhardt sur cette carte, il est pas très folichon parce que la carte étant quasiment une ligne droite. Bah, par contre, on aurait pu tenir un peu mieux le point, les gars, parce que là, c'est pas terrible. On avait un petit baston, ça le ferait bien. Hop là, on bouge la porte. Super, merci. On va essayer de se la choper. Mais par contre, si quelqu'un voulait bien défendre le coin, ça serait bien arrangeant. Sinon, j'en ai trop de technique. On va parler autrement. Voilà. Mercredi, putain, je me suis fait buter. Donc, ils ont déjà plus d'un tiers de notre barre B, ce qui fait qu'on n'est pas bien du tout. Ah, ça va, ils ont qu'un tiers de la barre B, ils n'ont pas récupéré la suite. Donc c'est parfait. Ça serait très cool qu'il y ait quelqu'un qui se mette sur Bastion, parce que sinon ça va être un... On va mettre Choc Sismique, voilà. On va mettre un petit coup. Voilà, on va essayer de planter. Comme merde, c'est raté. Par contre, j'ai fait tout le temps, on a réussi à tenir face au truc. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est valide. Ah, j'en ai planté un ou deux. C'est bon. Ça tient. Good shit! Fucking move! Good shit! Merde, dans le dos, putain. What? Je sais même pas ce qu'il a dit, l'autre. Goutil, n'énerve pas, bonhomme, hein. C'est qu'un jeu. Goutil, j'espère, tant mieux. C'était fort. C'était ironique, je l'ai pas capté. Elle est morte, par contre, pour le premier coup. Il y a Tambion qui se réveille enfin à faire le tourel. C'est pas mal. Belle initiative, on va dire. Ah merde, là par contre elle m'a baisé. Là elle m'a eu. Ah ben raise, parfait. Juste parfait. Là, j'ai plus avoir de bouclier. Ok. Donc maintenant, on envoie le feu. En fait, ça fait très bien. On va laisser recharger le shield. Voilà. Le shield est bien pour charger en jouant en bas à gauche. Et on peut remettre le shield. Se recharge extrêmement vite. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Il reste 4 minutes 16 à défendre. Tu n'as pas de coton. Voilà, j'ai tué la pute. C'est bon. Et on est toujours là. Ça va. Ça se tient. Allez derrière moi. Mettez-vous. Les héros ne meurent jamais. Allez, Enzo, tire. Tire, sale con. Ok, donc vous voyez, faut vraiment, vraiment vous être le mec qui protège la team. Faut vraiment bien jouer. Enfin, faut vraiment bien jouer. Pas très compliqué à jouer, mais faut bien le tenir, quoi. Allez, recharge ton bouclier. Ah, là-haut. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est parfait. On va renvoyer l'éclair. On va protéger la bête. La tourelle de Thornburn est toujours là. Ils vont avoir vraiment du mal à passer. Recharge du bouclier. Ils vont tous arriver. Voilà. C'est bien. C'est ce que j'attendais. Ça va, je fais bien le pâté, ça tient. À 2 minutes 46 à tenir comme ça, faut que ça tienne. Il n'y a pas le choix, faut que ça tienne. Du temps que tu reviennes là, j'ai un peu le temps de recharger le bouclier, voilà. Et maintenant on va envoyer les E directement là et on va se protéger. Voilà. J'ai moyen de claquer aussi avec mon chiffre quelqu'un. Alors où est-ce qu'elle est la peine? On délivre de la justice de mort. Là. Pas trop bouger pour bien maintenir la pression, mais en même temps, bon ça va, ils font des kills, donc du coup je peux me recharger. 2000, voilà, hop, le bouclier est de nouveau rechargé, hop, on va renvoyer ça. Elle attend juste de charger son ulti en fait. Vous l'avez vu, Diva, c'est tout ce qu'elle attend, elle attend de charger son ulti. Comme ça, une fois qu'il est fait, elle peut lancer et aller faire ses dégâts. Voilà, là, elle aura plus de camion. Allez, on frappe. Allez, un paquet de 3. Voilà, ça c'était un très beau move. Ça, je m'y attendais, c'est exactement comme je m'y attendais. Aucune surprise. On les tient bien. Pas la folie, mais on les tient bien. Allez, recharge, plein de boucliers là. 5, 6, 7, 8, 9, 7. Là, là, les enfants. Secondes, ils l'auront jamais. Ah, c'est bon. GG team, c'est bien joué. Voilà. Voilà, c'est fait. Gagné. Facile. Gagné facile. Est-ce que j'ai l'action au moins? Oui, je pense que je vais avoir l'action. Elle était belle. Action de la non, l'AFSIC, putain. Il joue bien avec May. J'avais fait une belle action aussi, désolé. Désolé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez le voir, j'ai fait une belle action quand même. Ouais, bien le multigel, bien. Bien joué, très bien joué. Ah, par contre, mort. 19 000 les enfants.
19 000, je m'auto-congratule, désolé, elle était très bonne. Voilà, il y a quelqu'un qui est d'accord. Oh, ça va. C'est gentil, hein. Tout le monde est d'accord pour être... Tout le monde est d'accord qu'on n'est pas d'accord, voilà, c'est tout. 19 974 dégâts bloqués, j'aurais pu faire 20 000. 5 morts, là, là, là. 5 morts, c'est pas terrible. Ça, c'était au début, surtout, sur la, l'entrée de la lane. Mais là, c'était très bien. C'est la première fois que je vois qu'un point peut être tenu aussi bien que ça. Bon, disons premier tiers quand même, avec sans bastion. Sans bastion. D'habitude, je prends bastion parce que c'est beaucoup plus facile. On le pose en position, on met Thorbjorn à côté et basta. Quoi. De retour à Anamura. Une carte que j'adore. Ça me va très bien, Anamura. Alors... Préparez-vous à attaquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, on n'a pas fait Winston. Alors, Winston, c'est le perso que je déteste le plus jouer. Parce qu'il a... déjà, je crois qu'il a un problème d'équilibrage. Je suis pas sûr, mais c'est que mon ressenti. Hein, mais je crois qu'il a un problème d'équilibrage. Donc, il a Rage Primordiale. Ça, c'est son ulti. T'as énormément de points de vie et tu peux juste sauter et frapper les ennemis. Propulseur, tu sautes en avant, en l'air. Sur un ennemi, tu lui infliges des dégâts. Générateur d'écran pour une, un gros dôme de protection. Et le canon Tesla de base pour tirer. Qui est espèce de truc. Voilà. On a besoin de recharger. Son emote, à lui, c'est ça. Voilà, c'est un singe. Donc, on va faire un petit tour. Salut. 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 Voilà. Son arme, je suis pas fou. Fan, mais on va voir comment ça se passe. Le combat commence. On va essayer de faire, on va essayer d'enfoncer les lignes. Yo. Allô. Salut. Donc on se retrouve de nouveau avec Minei, qui avait perdu les deux dernières games. Agnan. Si on perd celle-ci, donc c'est hein, la faute à Minei. Quoi qu'il arrive. Coup de Winston, gros coup de poing. Essentiellement, ce qu'on peut faire de mieux quand on est avec une stun. Là, il faut sauter sur la gueule des gens. Oula! Commence. Avec sa 100 points de vie, vous voyez, là il est à 100%. Si elle m'a shooté direct en pleine tête, voilà, elle fait. Alors que j'ai 500 points de vie, hein. Elle me descend là. Pour vous dire qu'avec Tresseur, vous le savez, c'est beaucoup plus simple. Allez, crève. Et les emotes, elles veulent faire le pire. Ah, j'aime pas Winston. Elle va être dégueulasse cette game. Elle est dégueulasse parce que c'est un mec qui donne surtout des coups au corps à corps, qui rentre dedans et qui va au corps à corps. Et j'aime pas les persos au corps à corps. Je l'ai déjà dit, je crois. Mais j'aime pas les persos au corps à corps. On va mettre le E. Alors, son E, c'est une petite boule de protection qu'on va aller mettre sur le point quand on y sera. On va essayer de se choper un gadget. Il y a peut-être moyen de rentrer directement là-haut. Hein. Allez, on met voilà la bulle de protection. On va mettre des patates. À qui c'est mieux. Et merde, je me suis éjecté du niveau. Putain, je déteste ce personnage. Ah, donc là, on peut diriger la game. On peut diriger la caméra. Je sais pas ce qui se passe depuis la dernière mise à jour, il y a de nouveaux bugs qui sont apparus. Notamment le fait de pouvoir être bloqué dans un buisson sur Hollywood. Sur la map Hollywood, il y a un trou dans lequel on peut rester coincé. Est-ce que je peux sauter par là? Oui, je peux. Je peux, je l'avais jamais vu ça. Un peu. Effectivement, nous pouvons. Donc là, on va re-sauter dedans, mettre la bulle. Voilà. Allez, venez, bande de nazes. Et merde, j'avais la fureur. Donc la fureur, l'icône c'est des lunettes cassées. Pourquoi? Parce que dans le... Dans la prévise, j'allais dire. C'était pas la prévise. C'était dans le... Dans la... Enfin, quelconque. Dans la vidéo d'annonce d'Overwatch, à un moment, il y a un ennemi qui lui casse ses lunettes. Et je peux comprendre que ça énerve. Donc du coup, son ulti, c'est des lunettes cassées.
c'était rigolo. Ouais, effectivement, ça passe. Ça passe. Et donc maintenant, on va prendre l'objectif. Hop, je vais mettre en protection. Hop là, la bulle. Et voilà. Et là, je protège la team. C'est parti. Je vais envoyer sa merde. On va remettre la bulle. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors, pareil, toujours sur Anamura, la place derrière pour pouvoir passer, c'est à cet endroit-ci. Voilà. Et merde, j'aurais dû faire ça avant. Hop. On de l'énergie. On va faire un carton. Carton au corps à corps, carton 4. Voilà, protection, c'est bon. Ah, oh, finalement, je ne joue pas si mal que ça. C'est beau là, cet enfonçage de cul. Eh bien, Winston, et pas si mal que ça, c'est juste moi qui ne sais pas bien le gérer. Opérationnel. Bon, on est en train de prendre leur point B, d'accord, ça va être plus soft tech. On a le premier tiers, oui, on a le premier tiers, donc ça ne rebaisse pas. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va y mettre la bulle de protection et on va nous protéger. Merde, je me suis fait tomber le cul. C'est pas grave, on a quasiment fini. On a quasiment chopé le point B, donc c'est impeccable. On a bien bossé. Pas fait d'élimination, je croyais. Encore une fois sur la brèche. Je lâche pas l'affaire. On va revenir encore une fois par derrière. Voilà, on y va, on met la bulle, voilà, et tu dégages. Winston, c'est le savant de la team Overwatch un petit peu. C'est bon, c'est une grosse brute épaisse comme ça, mais on pourrait croire, hein, mais non. En fait, non. On va mettre la bulle de protection ici, comme ça on est bien. Et là, on va pouvoir faire super mal. Voilà, très bien. Prenez le point. Prenez le point les gars. Prenez le point les gars. Prenez le point. Prenez le point. Ah ouais, sauf que celui-là. On n'a pas le point. Je sais pas ce qui se passe, ça va devenir coton cette affaire. Passe toujours par l'arrière parce que ça a un côté plus simple. Hein. Voilà, Winston est là les enfants. On y va. On y va avec la protection. On y va. Et c'est parti. Parce qu'il dit, on s'en fout en fait. Shitload of points. Shitload of points. Shitload of points. Shitload of points. Ouais, mais là, il y a tout le monde qui me tirait dessus. Donc là, que dalle. Là, que dalle. J'ai pas bien joué. Je fais une élimination. C'est très nul. Bon, vous le poussez ce putain de point B là, qu'on le chope ou quoi? On va aller sauver notre pote. Voilà. Très paisible, Winston. C'est un perso qui se joue paisible. Mais malheureusement, il y a le déluge de la justice. Putain, point B, on est tellement à deux doigts de l'avoir chopé ce putain de point. Ah là, ça recule, il n'y a plus personne dessus. Fait chier, on est tellement à deux doigts de le prendre. On a encore 3 minutes 12 pour le faire, mais. Regroupez-vous. Ça me semble tendu, on a quelques petits problèmes. On a quelques petits problèmes logistiques. On va prendre la vie. À mon avis, il faut que je fasse un bond vers le centre. Voilà. Et que j'y mette la couverture. Voilà. Merde, par en haut, putain. Oui, c'est bon la raise. La raise, ça c'est très bien. Parce que du coup, je vais pouvoir remettre la protection. Du coup, je vais pouvoir mettre le saut, tout le camp. Voilà. Revenir à l'attaque.
Bon là faut qu'on se chope le point là. C'est un risque de tu es dans ma ligne de mire. Allez, on met la bulle. On protège. Ça peut le faire. Bien, multi-kill. On est bien. On a gagné. Yeah. Bien joué. Un peu tendu, un peu corsé, mais c'était bien, c'était chouette. Action de la partie. Génial, je dans ma ligne de mire. Dans ma ligne de mire. Ah, comme quoi, voilà, le fait d'avoir mis la bulle de protection à cet endroit-là, c'était quand même une bonne idée. Ça nous a permis de faire tenir pas mal. Ça va, merci. Elle était bien cette game. Et donc maintenant il reste plus grand chose à jouer. Il reste genre 2 persos, 3 persos à tout casser à jouer. Pour avoir fait la. Pour faire la totalité des persos. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Préparez vos défenses. Marzenia, t'étais très bien. Allez, on va jouer Zarya. Donc Zarya, héros défensif, s'il en est. Alors, héros, alors russe, difficulté 3 et un très peu rare, hein, de toute façon. En bas graviton, vous créez un puits de gravité qui attire les ennemis, donc ok. Écran de particules, crée un écran absorbant les dégâts autour de vous. Voilà. E, écran généré, tu crées un autour d'un allié, donc tu peux buffer un allié. Et les dégâts bloqués augmentent les dégâts de canon en particules. Voilà. Donc l'arme de base. Donc vous allez voir, là, c'est assez bourrin. Bah, c'est assez bourrin. Oui. C'est encore un héros ultra défensif, donc c'est bien. Là, on est en défense, donc c'est nickel. En attaque, il y a quelques héros défensifs qui font le pâté, notamment Reinhardt. Reinhardt, quand on est en position d'attaque, est vraiment très très bien. Reinhardt et Diva. Diva qui est hallucinante avec son coup à distance, là, qui est juste abusé. Est-ce que je peux faire grimpette là-haut? Merde, je ne suis pas ce perso-là. Je suis trop con. J'ai confondu. Je croyais que j'étais encore Winston. On va se mettre ici. On va les attendre. Ils vont arriver normalement. Alors normalement, là, si tout se passe comme ça devrait se passer, ça devrait arriver. On va faire le taunt. Voilà. Vous voyez, c'est une russe avec un bon gros gun. Voilà. Et c'est parti. On y va. C'est les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Et alors Genji, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est bloqué sur place lui. Ou du lag ou autre, je sais pas, mais en tout cas c'était facile. Tornburn, viens là, je te mets un petit bouclier, un petit bouclard. Très très fort quand même. Vous allez voir très fort. Faut pas que ça traverse. Donc, faut pas que ça passe. Voilà, ça c'est fait. La fuite est importante. On voit que t'as pas l'habitude de me voir. Elle a vraiment des armes qui font vraiment beaucoup de dégâts quand même pour un buffer, c'est vraiment pas mal. Il y a
On a fait des kills au couloir. Voilà. J'ai pas réussi à t'avoir au premier coup, c'est pas grave. Je suis toujours pas mort, donc c'est impeccable. On a que des persos gros tanks, gros bourrins, gros bills. Donc c'est... On va pas dire que c'est facile, mais ça nous arrange bien. Merde, alors là par contre elle vient de me faire défoncer la nuque. Merde. Voilà, là c'est passé, ça a failli passer. Donc c'est, ils galèrent vraiment beaucoup pour le premier, le point A, là ils sont vraiment en galère. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Faut pas qu'ils chopent le point A quoi. S'ils chopent pas le point A, on a plus que 2 minutes à jouer, c'est bonheur. Sinon ça va rallonger la game. Pour pas grand chose. Par contre si tu peux courir, ça m'arrangerait parce que t'es quand même lente de chez lente. Hein. Comme là, je viens de l'autre bout de la carte. Je viens de celui-là. Faut pas qu'ils prennent ce putain de point. Thunder, mais j'ai pris un petit peu de main. Ouais, je suis en train de prendre. Ah, là, on va morfler, là. Là on va s'amuser, là on va avoir le droit à un amusement global, vite. Oui. Mon trou noir, nickel. Merci TG. C'est bon, il n'y avait pas de bombe. C'est pas nickel. Donc ça ne passe toujours pas. Ça ne passe toujours pas. Ils sont toujours pas touchés le point A. Là-bas, on devrait pouvoir faire un de kills. Ouais, bon là par contre au bout d'un moment faut pas chercher non plus, au bout d'un moment tu peux que mourir, y a pas à chercher bien loin, c'est pas bien grave. Pour l'instant on lutte bien, c'est j'ai 6 éliminations. Putain c'est bien ça. Avec, alors je me souviens jamais de son prénom, Zarya. Ah. Donc après il nous restera encore je crois 2 persos. Et après ils nous auront terminé le tour de l'intégralité des persos d'Overwatch. Ce qui veut dire que mon objectif de test de stream en testant tous les persos et en voyant si ça tourne bien sur Twitch sera un succès. Sauf si vous me dites que le stream est dégueulasse et que ça va pas, etc. Empale-moi ma poule, il n'y a pas de problème, tu vas mourir. Voilà. Faut pas utiliser le point A, s'il vous plaît, il reste 20 secondes. Allez, c'est bon, on la gagne. Là, il m'a mis une grosse pâtée quand même. Là, il m'a fait manger. 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la gloire! Ah non, ils sont en train de choper le point A, ils ont 3 mecs dessus. Aïe. 2 mecs dessus, 3 mecs dessus. Ah, c'est chaud, faut que j'arrive, faut que je me dépêche. 4 mecs dessus, 3 mecs dessus. Ah, c'est tendu, faut que je me manie. Faut que je me manie et que je lance mon ulti pour attirer tous les clones dedans. Voilà, ça va être beau. Ça va être très très beau. Ça va être très très beau. Hop, ça va être très très beau. Faut que ça tienne. Putain, ça a pas tenu. Ah non, faut pas qu'il chope le point, putain. Ah là là, ça va être tendu. J'avais tout fait pour. Faut pas qu'il chope le point, butez-les. Sinon on repart avec le point A, donc là on part avec le point B. Ah non ils ont toujours pas. Putain c'est chaud. Regardez le point en haut, regardez la jauge. Ah la vache, c'est tendu de chez tendu. Ils ont un mec dessus mais ça arrive pas à grimper parce qu'on a encore des mecs dessus. Putain faut que ça tienne. Faut qu'on les sorte des prolongations pour pouvoir faire quelque chose. Oui c'est bon. On est bien. Il y a encore ce tronc là ici. Faut le buter, voilà, c'est bon, on y est. Je mets le buff, c'est bon, le tien, le point tient, il n'y a plus personne dessus, c'est bon, c'est gagné. Ouh. Donc pareil comme d'habitude, dites-moi sur le stream si tout roule pour vous, si c'est fluide, etc. Si vous voyez la vidéo correctement. Dinnerbone, bien joué. C'est très bien.
Dites-moi toujours si sur le stream tout va bien, si tout se passe bien, si c'est fluide, si vous m'entendez clairement, s'il n'y a pas de soucis, etc. Pour rappel, vous pouvez suivre les streams sur Docteur underscore Click, sur Twitter, sur YouTube, etc. Il suffit de chercher Docteur Click. Alors, GG Marzena. Ok, donc prochaine game, nous allons jouer un des deux derniers persos que j'ai pas encore joué, enfin que j'ai pas encore joué en stream sur la totalité. Je vais t'ajouter un ami, toi, t'es bien. Oui, une demande de contact. Mais très bien, Marzenia. Hi-ha ! Eh, très très bien. Très très bien, ça fait plaisir des joueurs fair play, drôle, un peu sympa et tout. Ah, usine Volskaya. Comme je disais hier, problème de l'usine Volskaya, le point B, quasiment imprenable quand il est bien géré. Donc maintenant nous allons jouer du heal. On va pas jouer trop de heal, je vais pas rejouer Symmetra. Je vais jouer Zenyatta et après je ferai Ange, etc. Mais on a besoin de... On va pas mettre deux heal là-dedans. Donc je vais jouer Zenyatta. On va voir. Selon comme ça foire au niveau de la gamme, parce que des heals c'est bien d'en avoir, mais pas trop non plus. Là on en a quand même beaucoup. Quasiment que ça même. Alors, Zenyatta. Capacité ultime transcendance, vous devenez invulnérable et soignez les alliés proches, ça c'est nickel. Orbe de discorde, lancez cette orbe sur un ennemi pour augmenter les dégâts qu'il subit. Donc là il en prend plein la tronche. Harmonie, un allié pour le soigner. Et arme projetant d'énergie et maintenir pour libérer davantage de projectiles. Voilà, ce sont les deux coups de Zenyatta. Zenyatta, un perso au charisme discutable, mais que j'aime bien. Donc lui, il a deux pouvoirs que vous pouvez voir en bas à droite. Majuscule gauche, c'est le plus, c'est le plus de dé. Voilà, c'est le soin et le yin. C'est le soin et le yang, c'est le carton de perso. On va essayer de donner une orbe à Anzo qui est là-bas. Ne faites qu'un. Avec l'univers. Voilà. Et ils vont arriver par ici. 5, 4, 3, 2, 1. Les attaquants. Voilà. Elle a truffé le truc. L'objectif. Il est bon. La touche de charge, je l'essaie. On va la recharger d'une orbe dégueulasse. Donc Zenyatta, voilà, il charge ses pouvoirs et au bout d'un moment, il lâche la pression. Voilà, ça fait très mal. Hop là, notre objectif sera bien. Merde. Ah. Je voulais pas mourir en prompt. Bah voilà. Je suis le premier mort. L'issue n'est pas prédéterminée. Ah, évidemment, selon les persos, on a des choses qui s'affichent différemment dans les HUD. Les head-up displays. Arrêtez-les. Notre point est en train d'être capturé, sans déconner. Alors le problème de Zenyatta, c'est que j'avance pas. J'ai aucun buff d'avant pour avancer. J'ai rien du tout. Nous devons les arrêter. J'ai mis une orbe de caca sur la tête. Ouais, alors par contre, s'il y a personne... Regroupez-vous. Ça le fait. Voilà, donc objectif B. Donc là, ça a très très mal joué. Ah là là, team, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. D'accord. Ou alors là, techniquement, le point B, on ne doit pas le perdre. Si on le perd, c'est vraiment qu'on se prend comme des temps. Parce que c'est pas du tout la logique de l'affaire. Et voilà, c'est déjà fait. OMG. What happened, man? What happened? De la partie.
Voilà, la loose intégrale. Oh mon dieu. Oh mon dieu. A été dégueulasse cette game. Négatif. A été dégueulasse. Sia. Sia, je me casse. Sia, bye. Voilà. Oh, du coup, je vais faire autre chose. Va jouer à autre chose, histoire de se détendre un peu les gibbles. On va faire du Star Wars Battlefront. Allez, on se retrouve plus tard. Bah, plus tard, immédiatement d'ailleurs, je lance tout de suite.